Bonjour les petits artistes. Aujourd'hui, notre projet est intitulé Autoportrait royal en pied. En fait, il s'agit d'un tableau très célèbre de Louis XIV, roi de France, Hyacinthe Rigaud, en 1701. Alors, on va reproduire le tableau par rapport au matériel et les enfants dont vous aurez besoin. Je vous donne la liberté d'utiliser le matériel que vous souhaitez. Mais sinon, le matériel qu'on a utilisé dans la vidéo, dans notre projet, il s'agit des feuilles de carte blanche pour pliage, carton de récupération, peinture blanche ou bien pastel, pinceau, feutre noir, ciseaux, colle et comme supplémentaire, il y aura du papier crépon. En premier lieu, on va travailler sur la scène. Alors, cela veut dire que vous allez préparer un décor drapé sur un carton. D'accord ? Et vous aurez le choix de le décorer quand vous voulez.
Alors les enfants, découvrons ensemble plus d'informations par rapport à cette œuvre. À la fin du XVIIe siècle, Hyacinthe Rigaud invente les portraits de cour. Celui-ci, commandé par Louis XIV, nous offre tous les symboles de la royauté et donne l'image officielle du roi soleil, monarque absolu. Hyacinthe Rigaud est un peintre français né à Perpignan en 1659. Ce peintre a réalisé un portrait de Louis XIV, celui de 1701, universellement connu. Il montrera le monarque absolu avec tous les atouts de la richesse et la puissance. Rigaud réalisera une impressionnante galerie de portraits de la famille royale, y compris plusieurs portraits du futur Louis XV. Être peint par Rigaud devient un honneur de l'aristocratie et les monarques étrangers vont se rechercher. Alors, ce qu'on voit, le roi Louis XIV en pied et en costume de sacré, manteau à fleurs de lys, bas de soie, souliers à haut talon, chemise à jabot. Autour de lui, on distingue les symboles du pouvoir. Alors les symboles du pouvoir, l'épée, la main de justice, la couronne que vous pouvez ajouter, le décor aux couleurs et la lumière font rayonner le roi. Alors les enfants, la définition de l'autoportrait, ça veut dire que vous allez vous représenter en roi ou reine, en reprenant la même pose que Louis XIV. Et composer la scène en relief, comme on a fait donc au début de la vidéo.
Alors les petits artistes, vous allez dessiner votre autoportrait. Vous le coloriez ou bien vous allez le peindre. Et vous inventez avec votre propre imagination un costume royal et des symboles que vous placerez avec votre main. Grâce à ce projet, les enfants, vous allez connaître les différentes formes artistiques de représentation. En effet, le portrait en relief. Et vous prenez en compte l'influence des gestes et des matériaux. C'est en fait la réalisation du relief.
Thank you.